Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Ce mardi 7 janvier, on va délivrer le Ballon d'Or africain 2019. Qui sera le Ballon d'Or africain 2019? Ça, c'est la grosse question. En tout cas, le présentateur de la cérémonie serait connu. Donc, selon Afrique Sport, la Confédération africaine de football a désigné Samuel Eto'o pour être le maître de la cérémonie de la remise des trophées CAF Awards 2019. Donc, Ballon d'Or en 2003, 2004, 2005 et 2010, le Camerounais va donc diriger cette soirée très très attendue. Avec Samuel Eto'o comme présentateur, on aura forcément Sadio Mané comme vainqueur. Maintenant, comment va se dérouler le vote? Donc, tous les yeux sont rivés en Égypte à exactement 4 jours de la cérémonie. Donc, cérémonie, c'est pour bientôt. Ça sera ce mardi. Donc, on attend le sacre de Sadio Mané. Maintenant, qui va voter et comment faire le vote? Vote bi, Diana Opare. Mais on va vous rappeler quelles sont les personnes qui auront voté pour sacrer soit Sadio Mané, soit Mahrez, soit Mohamed Salah. Donc, les experts de la Confédération africaine de football ont ainsi présenté une liste sans surprise majeure parce que Titri, ñëpp xam nañ né Sadio Mané lay doon Mahrez wala Mohamed Salah. Donc loolu ñëpp xam nañ ko. Voici le trio qui va compétir, qui devrait compétir pour le titre de Ballon d'Or. Ñëpp xam nañ aussi Sadio Mané est le grandissime favori. Donc des anciens joueurs LRA ont également pris part à cette sélection. Donc après la sélection, oui, ce jury a tenu compte des performances des joueurs pendant l'année écoulée. 2019, le vote pour désigner le meilleur joueur parmi les trois prend en considération les voix des entraîneurs et capitaines. Donc, capitaine et entraîneur des sélections faisant partie de la CAF. Sélection du Bok CAF, c'est un entraîneur qui a voté, c'est un capitaine qui a voté. Donc, pour Sénégal, normalement, Cheikh Kouyaté a voté, voilà, Kalidou Koulibaly. Alice aussi voté. Donc, capitaine et sélectionneur ont voté. Donc, le résultat final sera dévoilé le mardi 7 janvier en Égypte. Donc, vous voyez, vraiment, donc, ça sera un sacre attendu pour Sadio Mané. Parce que, quand même, c'est le meilleur joueur au monde en 2019, Dom Gane Ndiaye, Warul Tid, Warul Ragal.